sera ensuite inhumé sur la terre de ses ancêtres. Les membres du gouvernement togolais ont échangé avec les premiers bénéficiaires de la formation sur le développement hier à Lomé. Cette délégation s'est ensuite rendue à Thévié pour la pose de la première pierre pour la construction du marché de la localité. Nous parlerons dans ce journal magazine du programme de formation initié à la formation sur le développement et les membres du gouvernement ainsi que les partenaires. Une réunion qui a permis aux participants de faire des témoignages sur les avantages qu'offre cette formation pour le développement de leur quartier. Isidore Koubatine. Les quartiers vulnérables de la préfecture du Golfe et de Lomé commune ont de quoi amorcer leur propre développement socio-économique désormais. Et pour cause, les acteurs au développement de ces quartiers ont été initiés à travers différents modules qui ont trait au développement pour faire de leur localité un Eldorado. Cette formation a été organisée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Ici, avec les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les principaux bénéficiaires se prêtent à l'exercice de témoignage. Cette fois-ci, la communauté eux-mêmes, on sait à travers les formations, nous savons maintenant que la communauté eux-mêmes vont se chercher tout le monde. Le développement appartient à tout un chacun de nous. Les femmes, les groupements des femmes, les groupements des jeunes, les VM, le chef même et le bureau de CDQ. Auparavant, nous souffrons beaucoup d'insuffisance en termes d'organisation, en termes de dynamisme. Mais grâce à cette formation, nous avons pu acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup d'attitudes, et cela nous permet aujourd'hui de mieux coordonner nos projets, de bien s'entendre avec les chefs pour la mobilisation communautaire et mener des activités d'insalubrité, de propreté dans le quartier, de coordonner un certain nombre d'autres activités qui rentrent dans le cadre de nos projets communautaires. Plusieurs voix se sont succédées pour appeler ces leaders communautaires à plus d'ardeur pour promouvoir le développement de leur localité. L'ABAD, premier partenaire de ce programme, voit déjà à l'horizon un pôle de développement fulgurant des quartiers et des villes du Togo. Je voudrais vraiment insister sur cette mobilisation, cette solidarité dans ces quartiers qui ont permis de réaliser des activités qui vont non seulement être économiquement bénéficier au quartier, mais permettre à ces populations d'améliorer leurs conditions de vie. À travers ce programme de développement communautaire des quartiers vulnérables de Lomé, 605 jeunes, 1230 femmes ont bénéficié de microcrédits pour accroître leurs activités. 56 chefs quartiers et 57 présidents de comités de développement ont été formés sur leur rôle et responsabilités en matière de développement. Une avancée certes, mais pour le gouvernement, le processus doit se poursuivre. Le développement, c'est un défi de tous les jours. Et nous avons démarré ce processus de renforcement des capacités qui permet d'outiller, de mieux outiller les communautés à prendre en main leur destinée, à mieux s'impliquer dans le processus de développement qui les concerne. Donc, c'est un processus qui doit se poursuivre. Donc, le défi, c'est comment mobiliser plus de ressources pour poursuivre cette dynamique de renforcement de capacités. Et nous voudrions inviter tous les partenaires en développement, les partenaires privés, la société civile, à nous accompagner dans cette dynamique. Le programme de développement communautaire des quartiers vulnérables de Lomé est lancé depuis 2012. Il est piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base en ADEB pour donner une nouvelle révolution en matière de développement des quartiers du Togo. Les Nations Unies ont depuis 1999 proclamé la période du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, période de la campagne contre les violences faites aux femmes au Togo. Le ministère de la Promotion de la Femme a procédé à cette campagne. Ce département a mené des actions dans ce sens dans les chefs-lieux des régions. À Accra, nous avons la correspondance de Nestor Mouzou. Pour les
les 16 jours de la campagne d'élimination des violences à l'égard des femmes, la latitude est laissée à chaque pays de choisir chaque année l'angle qu'il veut aborder. Le Togo a préféré mettre l'accent sur les violences sexuelles. Selon une enquête réalisée en 2010 par le ministère de la Promotion de la Femme, il s'est révélé que les violences sexuelles ont un taux de prévalence de 33%. Ces violences sexuelles sont observées dans divers milieux. Et les violences auprès des jeunes, surtout les jeunes, font face à ces violences sexuelles. Le ministère de l'Action sociale de la Promotion de la Femme a choisi de s'adresser aux jeunes sur cette thématique importante pour que des mesures, des réflexions soient menées avec les jeunes pour éradiquer ce fléau qui vraiment a beaucoup de conséquences sur les jeunes filles. Entre autres, nous allons citer seulement par rapport au cible, l'abandon scolaire, les grossesses, indésirées, les avortements, même la mort. S'appuyant sur un docteur, les orateurs au cours de cette rencontre de CARA ont amené le public, constitué majoritairement des élèves, à tirer les leçons qui s'imposent. Sur ce film documentaire, nous voyons que la fille ne pensait pas que ça allait arriver. Donc, la leçon que nous devons tirer, nous ne devons pas avoir confiance en personne, même pas un membre de notre famille. Vu ce document et vu les questions qui ont été menées et les réponses qui ont été données, je peux dire que maintenant, si quelqu'un me pose une question sur la violence, je serai capable et à mesure de lui donner mes connaissances et de lui dire quelles sont les conséquences et les résolutions à ce problème. Le représentant du pouvoir central dans la COSA s'est réjoui de la tenue de cette séance de sensibilisation dans sa préfecture. Le colonel Hemo Badiba Ouvakali a relevé que pour la réussite du combat contre les violences faites aux femmes, tous les Togolais sont interpellés à soutenir les efforts du gouvernement. La semaine de la jeune fille a pris fin à l'université de Caras, projet de l'ONG de réflexion femmes, démocratie et développement, chef de dé pour amener les jeunes filles à exceller dans les études. Aux côtés des filles togolaises dans leur quête d'émergence. Par la volonté de voir les filles briller à l'école, le groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement a mis sur pied le projet Semaine de la jeune fille. Les quatre premières éditions ont été tenues à Lomé. Pour la deuxième, le chef de a décidé de la délocaliser et c'est l'université de Kara qui l'a accueillie. Avec ces quatre dernières édition, nous avons pu former des jeunes filles, des jeunes garçons, parajuristes qui sont chargés d'aider et de former d'autres jeunes filles sur les questions qui concernent la jeunesse, notamment comment écrire l'excellence, comment évoluer dans les études, comment lutter contre les violences qui bloquent l'évolution de la jeune fille. Comment aussi être un citoyen, une citoyenne exemplaire. La semaine de la jeune fille de cette année est placée sous la promotion de la paix, de la démocratie et du développement. Donc nous souhaitons, en tant que jeune fille, pouvoir acquérir des notions, pouvoir acquérir des connaissances nécessaires à notre développement personnel d'abord et pour pouvoir promouvoir notre pays. Est revenu à la ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation de procéder au lancement de cette cinquième édition de la semaine de la jeune fille qui pose en d'autres termes la problématique du non-respect des droits de la fille. La participation citoyenne des jeunes filles est une force pour la démocratie. Or, malheureusement, la peur de s'engager dans tout ce que ce soit, la peur de leurs opinions dans différents débats constituent un véritable frein pour les filles pour qu'elles puissent s'impliquer positivement dans la vie de notre nation. Et il est temps que nous tous, hommes et femmes, jeunes filles et jeunes hommes, nous tous, qu'on s'investisse pour soutenir
soutenir la jeune fille afin qu'elle puisse réaliser son potentiel. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation salue l'initiative du GF2D qui a le mérite d'avoir le leadership des filles. Les activités des femmes du ministère de la Planification et du Développement et de l'Aménagement du Territoire ont été lancées cette semaine à Lomé, suivie d'une session thème retenue leadership technique de communication. Ce regroupement des femmes de la planification projette accroître aux missions de leur département et participer efficacement aux actions de développement. Et comme annoncé, nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Mévi Dabou. Vous êtes consultant en communication au secrétariat technique du DSRP au ministère de la planification. Pourquoi cette formation et pourquoi aux femmes? Bien, cette formation parce que le ministre de la planification du développement et du changement du territoire, à l'occasion de la journée du 8 mars, avait incité les femmes à se regrouper et à montrer ce qu'elles savent faire et ce qu'elles valent. Donc c'est à cette occasion qu'elles se sont rassemblées et ont décidé de se regrouper, de créer un regroupement qui était effectif depuis le 9 août dernier. Et pour lancer cette activité, elles ont choisi d'organiser un atelier de lancement, ce qui a eu lieu donc le 13 décembre dernier. Les femmes, parce que on sent parfois que les femmes n'ont pas réellement souvent l'occasion d'exprimer en public, de montrer ce qu'elles savent faire. Donc il faut les outiller et c'est pour cela que cet atelier a été organisé. Pouvez-vous revenir un peu sur les modules de cette formation? Bien, il y a des modules qui ont permis aux femmes d'afficher leur savoir-faire en matière de leadership. Et moi, j'avais aimé des modules de communication. C'est ce que je peux réellement intervenir. Les modules nous ont permis d'abord d'aider les femmes à délier leur langue. Vous savez que généralement, lors de certaines rencontres, les femmes se disent non, on va laisser plutôt la femme, la place aux hommes de s'exprimer. Et nous croyons quand même que ça évolue et que les femmes doivent s'exprimer elles-mêmes. Elles ont leur potentialité qu'elles peuvent mettre en valeur. Donc, c'est l'occasion de les écouter. Nous avons aidé d'abord à une certaine technique qui a consisté à créer une histoire collective en partant de la première personne de la salle pour laisser la conclusion à la dernière. Donc, c'était un moment de pouvoir tester la manière dont on peut utiliser la parole et à vue d'œil, on sent celles qui peuvent faire, celles qui doivent faire des efforts pour améliorer leur manière de parler. Puis, on a essayé également de les outiller en leur demandant de s'organiser pour parler en public. Des exercices qui étaient assez pratiques qu'elles ont véritablement aimé. Nous avons également pris pour nous de leur faire une communication sur la communication à travers le style vestimentaire. Vous savez que au Togo, les femmes bien portées le pagne. Donc, des pagnes ont des noms et il y a des à travers ces pagnes et nous avons rappeler cette message liée aux femmes. Si on parle de l'oméroïne, par exemple, on sait que c'est un tissu qui est très en vogue à Lomé. Lors de la manifestation, vous allez voir que les femmes mettent ce tissu pagne, l'oméroïne, c'est-à-dire c'est la fierté de la de Lomé. Donc, nous sommes basés sur un certain nombre de messages à travers ce tissu pagne pour faire prendre conscience de la nécessité, peut-être à travers ce type vestimentaire, de s'affirmer en tant que femme. On sait, par exemple, qu'il y a des messages qui sont liés à la vie de tous les jours, mais d'autres messages qui sont liés à la vie du couple. Et dans la vie du couple, puisque nous sommes entre femmes, nous avons parlé entre femmes, il y a des messages, par exemple,
mon mari est capable, ou bien femme capable, l'œil de ma rivale, 1 plus 1 égale 1, 1 plus 3 égale 0, alors qu'on sait que arithmétiquement 1 plus 1 égale 2, ça veut dire 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire je suis là et je ne veux être qu'avec toi. Donc, toi, avec deux ou bien trois autres, ça fait zéro. Mm-hmm. Vous voyez, donc, le message qu'on a essayé de faire, véhiculer et à nos sœurs, et elles se sont réellement mises aussi à notre service pour prouver qu'elles maîtrisent bien ces situations dans certaines localités du pays où, en matière de mariage ou bien de dot, qu'on demande 4 demi-pièces ou bien 6. Et ailleurs, on peut même en demander autant que l'on peut, donc des douzaines, et on a changé là-dessus, et c'était assez bien. Dans la mesure du possible. Et pensez-vous qu'une seule journée, les hommes ont pu maîtriser le béaba, d'organiser une rencontre et parler correctement en public? Je ne crois pas, parce que il y a eu une communication qui a porté sur les techniques d'animation d'une réunion qui a été l'occasion de montrer quand vous organisez une manifestation, il faut qu'on maîtrise soi-même comment on peut montrer, c'est-à-dire les capacités individuelles de la personne. Et puis, face au public que vous avez, comment devez-vous vous comporter? Donc, on a changé toutes ces situations, les problèmes qui peuvent survenir, les attitudes qu'on doit maîtriser dans le public, ceux qui seront de votre côté, ceux qui seront contre vous, et essayer de collaborer avec tout le monde pour que vous puissiez arriver à bon terme à la fin et que votre message puisse passer. Nous avons échangé et je crois que même elles ont compris que ce n'est pas suffisant et qu'on peut en organiser d'autres. Après, pour d'autres publics cibles. D'autres formations, c'est le souhait, mais au sein du ministère du développement du territoire. Il y a déjà un plan d'action initié par les femmes, surtout la sensibilisation, l'action, la convivialité entre elles. Donc, elles ont senti le besoin d'en organiser d'autres et nous comptons être à leur côté s'il en est besoin pour les aider en la matière et nous espérons que d'autres leur emboîteront le pas pour quand même faire vivre la femme en tant que leader aussi au sein de la société togolaise. Merci, Monsieur Dabla, d'être passé sur ce plateau. Merci pour toutes ces explications et à très prochainement. À très bientôt, madame. Merci. Une journée de réjouissance et de sensibilisation a été organisée vendredi dernier par Wildaf Togo pour célébrer la réintégration des femmes fistuleuses dans leur communauté. La cérémonie s'est déroulée à Agbessia, dans la préfecture de l'Avé. Ramdan Bassina. Agbessia, village situé à 50 km au sud-ouest de Lomé, est la localité choisie par Wildaf Togo pour célébrer la réintégration des femmes fistuleuses dans leur communauté. Promouvoir un changement de regard et de mentalité face à la fistule obstétricale, c'est l'objectif de Femmes, Droits et Développement en Afrique Wildaf Togo. Une fistule obstétricale est une maladie qui survient chez la femme à la suite d'un accouchement difficile. Elle se manifeste par l'incontinence urinaire ou fécale, une situation qui porte atteinte au bien-être de la femme et à son épanouissement. Wildaf Togo est chargé de recenser les femmes, de les identifier, de les recenser et de les accompagner vers les services de santé et ensuite les accompagner tout au long de leur hospitalisation parce que la fistule obstétricale ne se guérit que par une opération chirurgicale. Et ensuite, nous reprenons les femmes pour les accompagner dans leur communauté et pouvoir les réinsérer. C'est un écho que nous avons fait au lancement de la campagne mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale que l'UNFPA a lancée en 2003.
L'UDAF Togo œuvre dans la réintégration socio-économique des femmes fistuleuses et à la démystification de cette maladie dans les communautés. Depuis septembre 2010, le gouvernement a lancé une campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique pour mener la lutte d'une façon appropriée. Pour son programme, l'UDAF Togo a bénéficié de l'appui financier de Christopher Blinden Mission. Second tour des législatives au Mali, les bureaux ont ouvert un scrutin sous tension ce dimanche. Un attentat à la voiture piégée à Kidal a ciblé la mission des Nations Unies au Mali. Dernières heures d'une campagne sans engouement au siège du RPM. Le parti présidentiel vise une majorité confortable face à l'opposition de l'URD. Les deux camps se disent confiants et soutenus par des militants mobilisés pour les premières élections législatives depuis le coup d'État de mars 2012. Le rôle du député dans la démocratie, c'est très important, c'est nos représentants. Ils parlent pour nous, dans l'Assemblée, nos idées, ils défendent nos idées, nos projets. 90 observateurs de l'Union européenne sont déployés dans les bureaux de vote. Ils sont appuyés par 3300 agents du pôle d'observation électorale. But de leur mission, garantir la légitimité et la crédibilité du scrutin. Partout, nous avons des observateurs déployés qui remontent les informations et qu'on traite au niveau du pôle d'observation citoyen électoral pour nous rendre compte de la transparence, de la régularité du scrutin et pour corriger à temps réel les dysfonctionnements et manquements constatés sur le terrain. Côté sécurité, les autorités maliennes sont soutenues par les soldats français et les casques bleus de la MINUSMA. La vigilance est accrue face aux menaces d'attentats et après l'explosion d'un véhicule piégé qui a tué deux militaires sénégalais hier à Kidal. En Centrafrique, Michel Diotodia tend la main aux anti-Balaka. Le président par intérim se dit prêt à dialoguer avec les milices chrétiennes armées sur le terrain. Les exactions se poursuivent. Des milliers de Centrafricains ont fui les combats. L'ONU parle de 159 000 déplacés. En une semaine, les violences ont fait plus de 600 morts. Écoutez le président centrafricain. A été lancé par la partie anti-Balaka et nous sommes allés à l'encontre de ses frères. C'est pas des ennemis, ce sont nos frères. Et ils ont posé quelques préalables. Nous sommes prêts à accéder à certains de ces préalables. Donc je vais demander à tous les anti-Balaka de sortir et qu'ils ne seront jamais inquiétés. Et dans ce cadre précis d'ailleurs, nous allons prendre des mesures pour pouvoir libérer certains qui sont déjà dans nos murs. Ils veulent que les Gbaya soient représentés dans le gouvernement. Ce point précis doit faire un objet de débat parce que là, l'ancien régime a envoyé deux de ses représentants dans le gouvernement. Nous verrons, nous allons continuer les discussions avec eux. Huitième édition du Festival des Divinités. Nous sommes là de retour au Togo Noir du 12 au 22 décembre 2013. Cette année, les festivités ont démarré à Kara. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Tete Wilson Baroum, président de l'association Akofan et directeur du festival. Bonjour Monsieur Wilson. Bonjour madame. Ce festival a été cette année lancé à Kara. Pourquoi ? Mais parce que nous voulons célébrer nos grands-parents et nos parents qui sont de la région septentrionale du Togo. Mmh. Chaque fois, lorsque nous organisons le festival, les groupes et les sociétés initiatives du Nord viennent participer au festival. C'est pourquoi nous avons voulu leur rendre hommage en déplaçant le festival, en le lançant à Kara. Et on a été accueillis comme des rois. Je profite de l'occasion pour remercier le préfet et remercier pour toute la population qui s'est mobilisée pour le succès de cet événement. Mmh. Et le thème cette année, c'est un hommage à Mandela. Pourquoi le choix de ce thème? Le thème a été choisi dès la fin de la 7e édition et tout le monde était d'accord pour dénommer le festival, pour donner à cette édition la dénomination Mandela, l'Afrique arc-en-ciel et ses trésors. Nous avons voulu célébrer Mandela, nous avons voulu lui rendre hommage de son vivant. Bien avant son décès. Alors, malheureusement. Une heureuse coïncidence. Il ne pouvait pas nous faire un meilleur cadeau. Parce que la conférence de presse a eu lieu le 3 décembre à l'hôtel Ibis. Oui. Le 5, il est parti.
mais il n'est pas parti. Il est éternel, immortel Mandela. Et quel est le programme du festival? C'est un programme très riche. Nous allons recevoir les Zoulous d'Afrique du Sud pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Et on les a vus la dernière fois quand ils sont arrivés. Oui, on les a vus quand ils sont arrivés. Et également les Brésiliens, le ballet folklorico de Bahia, qui revient au Togo, seulement au Togo pour la troisième fois en Afrique. Ah bon. Oui. Et que verra-t-on cette année? Et puis, il y aura aussi pas le Nicaragua, mais le Venezuela, qui vient pour la première fois, Haïti, et toutes les sociétés initiatiques du Nord. Nous aurons 8 sociétés qui viennent du Nord, dont les Kandona, les Bassards, les jeunes filles vierges, et les danseurs de feu. Les Bassards, toujours. Plus les Gourmandchés, qui eux représentent 4 pays. Le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Niger. Donc c'est un programme très riche, très varié. La France aussi sera représentée et 4 Italiennes qui viennent danser pour nous. D'accord. Et bon, c'est vrai, vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'on va voir de particulier sur les podiums? Qu'est-ce qu'on va voir? Ce sont des chants et danses des sociétés initiatiques. Et des chants et danses des groupes traditionnels. Et ça permet d'attirer des touristes, ça permet d'attirer du monde. Et ça permet en même temps de vendre la culture togolaise, toute la culture togolaise aux étrangers. Parce que les tour opérateurs peuvent programmer les événements culturels togolais. Donc c'est bien pour nous. Et pour finir, que répondez-vous à ceux qui disent que vous célébrez le diable? Ah, je ne sais pas où se trouve le diable. Mais nous, nous donnons seulement un spectacle. Et ce sont les sociétés initiatiques qui se produisent. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Que toutes les sociétés initiatiques d'Afrique, je parle des Dogons, des Zoulous, des Kandona, les jeunes filles vierges, et tout ça se produisent en un seul endroit, ça crée un événement qui attire du monde. Mais il n'y a rien de diabolique là-dedans. Nous sommes tous, nous croyons tous en Dieu. Et nous ne faisons rien de maléfique. Et puis, je vous signale, nous célébrons nos ancêtres. Quel est le thème, le titre de notre hymne national? Togo, terre de nos aïeux. Est-ce que le Togo est diabolique pour autant? C'est l'ordre de l'humanité. Alors. D'accord. Merci, Monsieur Wilson. Merci d'être passé sur ce plateau et merci pour à la ces précisions. Merci à la TVT qui nous accompagne et qui permet ainsi au monde entier de voir la culture togolaise. Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. Ok, et bonne fête. Merci. Merci. La suite de cette édition, un anniversaire maintenant, celui de la diva togolaise Bella Bello, qui est décédée il y a 40 ans. Pour marquer cet anniversaire, l'association dénommée Fondation Bella Bello a été officiellement mise en place hier. Plusieurs artistes, à l'instar de Mewé, ont succédé sur scène pour rendre hommage à Bella Bello. Bella Bello, un des ténors de la musique togolaise qui a émerveillé le monde entier dans les années 70. Aujourd'hui, elle est invisible dans les arènes musicales. Elle n'est plus, mais sa voix continue de retentir au-delà de nos frontières. À ce jubilé d'émeraude dans sa mémoire, vient de voir le jour la Fondation Bella Bello. À toutes celles et ceux qui ont œuvré à l'avènement de cette belle initiative qu'est la Fondation Bella Bello, je voudrais dire que vous avez le soutien du gouvernement qui ne manquera pas de vous accompagner dans la réalisation des nobles objectifs que vous vous êtes assignés. C'est donc avec joie et optimisme que je déclare au nom du chef de l'État et du gouvernement, officiellement portée sur ces fonds baptismaux, la Fondation Bella Bello à laquelle je souhaite la longue vie et le plus grand succès. Une fondation dont le credo est de porter très haut la culture togolaise dans sa globalité.
fondation, ce serait la création d'une maison des arts. Une maison des arts où on aura, les enfants pourront apprendre à, comment dire, les instruments tels que le piano, hein, la guitare, des cours de diction pour des pièces de théâtre, pour la peinture, apprendre à tisser. Ça serait vraiment une maison qui toucherait toutes les parties culturelles. Ce 40e anniversaire est marqué par plusieurs activités, dont un concert géant prévu cet après-midi au stade de Kégué. Et déjà, d'illustres artistes togolais et étrangers étaient au rendez-vous au cours de la soirée de lancement de la fondation Bella Bello. Bientôt, Tévié, dans la préfecture du Zio, aura un nouveau marché. 320 millions de francs CFA sont débloqués pour la construction de cet édifice. Ceci dans le cadre du programme de soutien aux micro-projets communautaires qui vise à doter les communautés d'infrastructures socio-collectives de bases mises en place par le gouvernement togolais. La pose de la première pierre a eu lieu hier et c'est la ministre Dobé qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie. Isidore Koubatine. Grande était la mobilisation à Tévié Mivakbo, car l'événement est de taille avec ici la présence de plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités, sans compter toute cette foule venue pour une seule cause, la pose de la première pierre pour la construction du nouveau marché préfectoral de la ville de Tévié sur une superficie totale de 10 hectares. Et pour les bénéficiaires, c'est une satisfaction totale. Pour le maire de la ville que nous sommes, c'est des impressions de joie. Des impressions de joie et de satisfaction. Parce que un marché dans la vie d'une commune comme la nôtre, c'est une grande chose. Depuis que moi je suis arrivé à la tête de cette commune, s'il n'y avait pas un marché, je ne pourrais rien faire. Donc, ce marché que le chef de l'État a bien voulu nous offrir, c'est une bonne chose. D'un coût total de 320 millions de francs CFA, la réalisation de ce lieu d'échanges commerciaux s'inscrit dans le cadre du programme de soutien aux micro-projets communautaires qui vise à doter les communautés d'infrastructures socio-collectives de base voulue par le chef de l'État, Fort Niassimbe. Je voudrais m'adresser particulièrement à mes sœurs, mes mères. Je sais que ce marché les réjouit énormément. Elles l'ont dit et c'est une évidence. J'aimerais seulement dire que c'est toujours ce que le chef de l'État a toujours voulu faire. Aider, accompagner les femmes et toujours accompagner les femmes pour leurs activités économiques et pour leur bien-être. Qu'elles continuent à avoir confiance au chef de l'État, que nous toutes les femmes, on reste mobilisées autour du chef de l'État pour l'aider à nous apporter toutes les solutions aux problèmes que nous rencontrons. Prévu pour durer 5 mois, le nouveau marché de Tévié aura 10 hangars de type préfectoral, un bloc administratif, 2 magasins de stockage, un bloc sanitaire, une boucherie et un dépotoir. Élection de la Miss CEDEAO 2014 pour terminer, c'était hier dans la soirée à l'hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire. Mademoiselle Spencer Lopez du Cap Vert rafle la couronne de Miss CEDEAO, Miss ECOWAS. La première dauphine est ivoirienne, elle a pour nom Dia Issata. Le Togo était également à l'honneur. La deuxième dauphine est togolaise et puis Fanny Gantin a rehaussé l'image de la femme togolaise. Regardez.
son mandat. C'est à saluer et bien sûr à remercier. La première dauphine, avec un total de 128 points. C'est son président, M. Victor Yapobi. Dans Sivoderm. Et bien entendu, Askai. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bel après-midi dominical et à demain. Le monde entier, les yeux rivés vers Kounou, hommage ultime à Nelson Mandela. Ce matin, près de 4500 personnalités assistent à cette dernière cérémonie publique. C'est loin des caméras que l'ancien prix Nobel de la paix sera ensuite inhumé sur la terre de ses ancêtres. Les membres du gouvernement togolais ont échangé avec les premiers bénéficiaires de la formation sur le développement hier à Lomé. Cette délégation s'est ensuite rendue à Tévié pour la pose de la première pierre pour la construction du marché de la localité.